Comme tu peux le constater, j'ai la voix toute cassée, tout éraillée. Alors, je voulais pas t'imposer ça pour méditer. J'ai donc décidé de te proposer une méditation que j'ai tournée il y a longtemps, qui est une méditation très personnelle. C'est une méditation qui nous emmène sous le ciel étoilé des tropiques. Très peu de gens l'ont entendu jusqu'à maintenant. Tu verras, je te mets juste après quelques images. C'est vraiment l'endroit où j'ai tourné cette méditation. J'ai pas le ciel étoilé, mais tu verras, il y a le coucher de soleil. Je te donne aussi quelques informations écrites. Et la méditation, avec une voix entière, pas cassée et pas éraillée du tout, elle est juste après. Je te souhaite une bonne méditation. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Et tu laisses ta respiration se poser naturellement, sans plus rien forcer. Juste, tu observes comment tes côtes se soulèvent et t'abaissent, et s'abaissent, là, au niveau de ton chakra du cœur. Juste observer, sans rien juger. Observe qu'il n'y a rien à faire, qu'à laisser faire pour être vivant ou vivante. C'est la nuit, il fait chaud, tu as devant toi un ciel étoilé. Avec des étoiles que tu peux voir à loin, très loin, plein d'étoiles qui scintillent là dans la nuit d'été, dans la nuit chaude et tiède, où tu sens la tiédeur sur ta peau. Une légère brise t'amène une odeur suave, magique, de fleurs, une odeur douce, une odeur que tu aimes jusqu'aux narines. Il suffit d'inspirer cette odeur pour te remplir de bonheur. Inspire cette odeur sans rien forcer. Juste observer combien cette odeur douce et agréable te fait du bien.
Tu vois au loin, sur le ciel étoilé, quelques montagnes qui se détachent, juste leur silhouette. À l'horizon, et tu observes quelques plantes, peut-être tropicales, dont tu vois juste les ombres, la silhouette se détacher sur le ciel étoilé. Juste observer la ligne de ces montagnes, la silhouette des arbres, des fleurs qui t'entourent. Un chien qui aboie au loin. Juste observer qu'il aboie et laisser passer. Et puis là, juste devant toi, non seulement tu as les étoiles, mais tu as aussi quelques nuages qui s'accrochent là dans le ciel et qui donnent du relief, de la densité à ces étoiles que tu vois scintiller. La légère brise que tu sens sur ta peau fait bouger ces nuages, les fait bouger d'endroit, fait modifier leur forme. Juste voir ce qui se passe. Et là-bas, tout près de la silhouette de ces montagnes, un croissant de lune qui petit à petit descend sur l'horizon, tout doucement. Juste observer ce croissant. Observer combien ces deux pointes sont tournées vers le haut. Et combien il est en mouvement. Combien il descend doucement, imperceptiblement, mais tellement sûrement. Combien cette lune commence à taquiner la silhouette du sommet des montagnes qui sont là devant tes yeux. Combien elle descend encore, puis encore, jusqu'à disparaître. Oh, pas beaucoup, juste un tout petit peu derrière cette montagne. Puis descendre encore un peu plus bas, et encore un peu plus bas. Jusqu'à ce que tu ne vois plus que deux petites pointes lumineuses, celles du sommet de ce croissant de lune, qui descend comme s'il était absorbé, mangé par la silhouette de la montagne. Et là, comme un dernier feu, comme un dernier round, la lune qui éclaire l'arrière de cette montagne qui se détache encore plus sur le ciel étoilé. Et observe le bruit qui t'entoure. Observe le bruit de ces grenouilles, de ces crapauds, de ces cigales qui enchantent cette nuit tropicale. Écoute juste leur son mélodieux. Écoute. Pose ton attention sur ton écoute et laisse faire. Écoute celles qui sont en arrière-fond et puis celles qui sont là, tout devant à droite, différentes. Leur coassement, leur cri strident. Observe les différences, observe le relief. Observe de quelle direction elles viennent. Juste observer, sans rien juger. Observer et ressentir.
ressentir aussi la tiédeur de l'alizée sur ta peau, et ce vent tiède, chaud et en même temps rafraîchissant que tu peux inspirer avec toutes les odeurs merveilleuses qu'il transporte. Nourris-toi de cette merveille. Inspire cette odeur. Fais-la entrer en toi et réjouis-toi-en. Tiens, une nouvelle cigale là, tout près à gauche, qui se joint au concert. Comme un roucoulement. Qui vient comme un contrepoint à cet orchestre que nous avions déjà. Juste écouter. Tiens, ces bruits de la nuit tropicale. Et observez encore devant toi la profondeur des étoiles. Et plus tu les observes, plus tu en découvres un grand nombre. Et plus tu les observes, plus elles sont proches à la fois. Et éloignez et observe cette voie lactée qui est là devant tes yeux, tel un nuage de lait très clair, tout en longueur, qui marquerait le ciel. Observe la profondeur, l'éloignement de ces étoiles et en même temps leur proximité. Observe combien elles te sont familières. Et combien elles te paraissent merveilleuses. Encore un petit vent frais qui arrive. Et qui fait du bien. Écoute-le arriver. Ressens-le sur ta peau. Ressens l'odeur qu'il amène avec lui. Écoute la suavité de cette odeur. Le bruit de cette brise, juste savourer. Et observer ce ciel, tellement magique, tellement profond, tellement dense, tellement habité. Tellement apaisant, tellement en accord avec toi-même, et ressentir au plus profond de ton cœur cet accord majeur, cet accord inébranlable, immuable, permanent, qui est là. Ressens cette reliance dans ton corps. Ressens cette reliance avec l'immensité de l'univers t'habiter, là, dans ton cœur. Et si tout est juste, tu peux prendre
trois grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu peux frotter tes mains l'une contre l'autre. Puis tu peux poser tes mains sur tes yeux fermés encore, s'ils étaient fermés. Ouvrir tes yeux derrière tes mains. Et descendre tranquillement tes mains devant toi. Et ramener tes énergies à la terre. Et avoir une pensée de gratitude pour Dame Nature qui nous permet de méditer ainsi. Voilà, j'espère que cette méditation t'aura fait du bien. Si tu as envie de méditer plus avec moi, eh bien sache qu'il y a plein de possibilités de méditation chez Plume de Forêt, en live, guidé, etc., etc. Je t'en dis pas plus. Je ne t'impose pas ma voix. Je te mets tout dans la description. Je te souhaite une belle fin de journée et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.